Passez-les-moi. Parlez, c'est à vous. Monsieur le Président, ici Bill Buchanan, je suis avec Jack Bauer. Oui, Bill, je vous écoute. Monsieur, nous avons arrêté un suspect afin de l'interroger au sujet du vol de l'ogive nucléaire. Qu'est-ce que ça a donné ? Tout le problème est là, monsieur le Président. Nous avons les mains liées. Amnesty Global est intervenu en sa faveur. Intervenu ? En vertu de quoi ? C'est un citoyen américain sans casier. Pourquoi est-il suspect ? Il était en compagnie de Yossi Katami, un terroriste lié aux attentats. Je ne comprends pas. On ne viole pas la loi en interrogeant un suspect. Monsieur le Président, vous permettez. Allez-y, Mike. Jack, ici Mike Novick. Bonjour, Mike. Peut-on penser que le suspect ne répondra pas au genre de questions que son avocat accepterait qu'on lui pose ? C'est exact, Mike. Si on veut obtenir des renseignements de cet homme, il va falloir l'interroger à huis clos. Autrement dit, vous voulez le torturer ? Je veux faire tout ce qu'il faudra pour les empêcher d'utiliser cette ogive contre nous. Accordez-nous un instant. Quel est votre avis, Mike ? Je crois que nous devons employer tous les moyens pour retrouver Marwan. Walt ? Je vous écoute. Ça me met mal à l'aise. Pourquoi ? Si cet homme est innocent, comme il le prétend, vous aurez cautionné sa torture. Et ça entachera à jamais votre présidence. Très bien, messieurs, voici ma décision. Je vais réunir des gens du ministère de la Justice immédiatement et en discuter avec eux. Je vous donnerai une réponse dans 20 minutes. Monsieur le Président, il risque d'être trop tard dans 20 minutes. C'est à ça que je compte m'en tenir. Sauf votre respect, monsieur. Laissez-nous faire notre travail. Je vous rappelle aussi vite que possible.